tourne, tourne. Ouais, doucement. Appuie sur moche un peu. Ouais, tu roules doucement, doucement. Faut pas que tu ailles vite, doucement. T'avais un peu, doucement. Tout doucement. Voilà, comme ça. Toi, t'as pas besoin de carburer. Encore. Tu auras le bip après qui va te mettre en route. Un peu. Le frein, bloc de frein. Mets les roues droites. Hein, regarde derrière moi. Lâche le frein. Lève un peu l'embrayage encore. Voilà, stop le frein. Le frein. Voilà. Ouais, bon, t'es en ville. T'es avec ta voiture sur la route, c'est une montée à 70, d'accord? T'es derrière un gars ou une femme qui roule à 50 ou à 60. Ou à 50. 60, 65, ça va. C'est 70, tu roules à 65, on ne dira rien. C'est pas gênant. C'est 100, tu roules à 95, on ne dira rien parce que c'est bien 95. T'es plus près de 100 en fait. Voilà, c'est ça. Il faut que tu te rapproches plus près de ta vitesse. Maintenant, tu es là en examen, comme là ce matin, c'est 70, tu roules à 50, il va te dire, mais c'est limité à combien là, monsieur, comme ça? Ben, 50, il a dit là, déjà. Il dit, c'est 70, il y a un panneau derrière vous que je n'ai pas vu. Donc, c'est éliminatoire, c'est pas bon parce que tu gênes, tu obliges à te dépasser. Ça peut carrément être éliminatoire. Ah, c'est normal, tu es en sous-régime. Enfin, tu n'es pas à la bonne allure alors qu'il n'y a rien qui te gêne. D'accord? Donc là, on va faire comme un examen. Je te donne que des directions gauche-droite, panneau, terminé. C'est tout, d'accord? Ça marche? On y va? J'ai le trac là. On y va, on tourne à gauche, hein, on passe par la gauche. Voilà, comme ça, tu peux te faire journée à l'examen. Pourquoi? Je vais t'expliquer après pourquoi. Ben, pas simplement parce que toi, t'es omnibulé par ce qui se passe à droite. Donc, tu ne regardes pas à gauche. Nous, on va tourner à gauche. Rétro, voilà. Le frein. Appuie sur bas un peu. Clignote à gauche, clignote à gauche. Regarde à gauche. Regarde à droite. Regarde à gauche. Voilà, toi, tu vois, tu regardes que à droite. Parce que tu te dis à droite, à gauche, ils vont me laisser passer. On roule, on roule. Et t'as vu jouer ça où, toi? On tourne à gauche. Les rétro. Ouais. Et en plus, les deux fois où t'es sorti, t'as même cédé le passage. Donc toi, tu dois céder le passage à gauche et à droite. C'est trop tôt l'embrayage. Embrayage maintenant. Voilà. Ah ouais, faut vraiment en fait. Ah bah oui, au dernier moment. Ouais. Là, le tournant est coupé. Là, faut que tu viennes ici. Allez, en haut, on est parti. Toujours tout droit, s'il vous plaît. Toujours tout droit. Faut passer vos vitesses. Hein. C'est mieux au dernier moment l'embrayage. Descends l'observation.
t'es à combien ici? 50. D'accord, on est à 55. Donc c'est 51 maximum. Lève l'embrayage complètement. Lève l'embrayage, le frein, le frein. Ouais, c'est 50, 50, 51 maximum. 30, 31 maximum, pas 55. Plus il va te parler, plus ça va descendre les points. Plus le moniteur va parler, plus je perds des points. Voilà, ça ouais. Comme là, c'est 30, il ne faut pas que tu roules à 35. C'est 31 maximum. Là, c'est plus limité à 30, non. Là. Bah, t'es pas sorti du ralentisseur. Là, t'es sorti du ralentisseur. Maintenant, tu peux rouler. Hein? Mais j'ai passé l'intersection. Non, non, c'est pas l'intersection. Là, c'est un ralentisseur. Nous suivrons la direction de droite. Il y a le clignotant. Ça, c'est éliminatoire aussi. Accélère. Non, non. C'est parce que tu es dans la voie de gauche pour aller tout droit. Alors que tu devrais être à droite. C'est point. Allez, accélère, on roule, quatrième. Viens vers moi, viens vers moi. Voilà, cinquième. À droite, on suivra Fontenay, mon voisin, à droite. Non, non, non. Lâche, lâche. D'abord, regardez, clignotant. Maintenant, on peut changer de vitesse sans frein. Parce que tu as la bonne allure. Lâche embrayage. Voilà. Pas de frein. Troisième. Là, tu vois, faut que tu indiques d'abord avant de changer tes vitesses. Parce que tu es en ligne droite, ils vont pas comprendre pourquoi tu freines derrière. Doucement, doucement. Après, il y a un petit rond-point, nous tournerons à droite. D'abord l'information, l'indication, et après on s'occupe des vitesses, le frein. T'es trop à gauche là, le frein, les vitesses, le frein, plus le frein, lâche embrayage, le frein, deuxième. Faut pas lâcher le frein, lâche embrayage, on est trop à gauche, on est sur la ligne. Voilà, on roule, viens vers moi, c'est à droite, voilà. Il faut que tu rétrogrades, il faut que tu gardes ton frein, mais tu lèves l'embrayage. Viens vers moi, regarde là-bas à gauche. Alors, ça c'est pas mal, ces deux panneaux, 50 et 30, n'importe quoi. Ouais, parce que là on sait pas où la couverture. Ouais. Ah, c'est pas fini encore. Pond. Lâche embrayage. Voilà, là c'est coupé, tu tournes. Lâche les pédales et tout. Toi on est trop à gauche. Lâche les pédales, je m'en occupe pas. T'es trop à gauche. Parce que, voilà. Il faut que tu. Voilà, prends les pédales d'embrayage et mon pied dessus. Voilà, t'es en première, t'en avances. Avance. Voilà. Là, t'es à ta place.
Mais toi, tu es déjà à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai coupé la route en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de cartons dans les agglomérations, parce que les gens coupent la route. On a tous appris avec le même code. Mais après, bon, ben, les gens font un peu n'importe quoi. Voilà, n'applique pas ou ils appliquent. Ouais. Moi, c'est mon boulot, donc je reste dedans. Quoi. Ouais. Et là, on va tourner à droite. Mets la 2, t'es en troisième, là on sait pas pourquoi. Tu vas partir à gauche, on voit, voilà, tourne bien vers moi. Voilà. Voilà, et on roule. C'est étroit. Troisième, là on peut rouler en troisième, hein. Y a rien qui gêne. Tu peux lâcher un peu l'accélérateur si tu veux, mais il n'y a rien qui t'empêche de rouler en troisième. Je vais tester, toi, il n'y a plus de chicane, il n'y a plus rien là. Maintenant, il faut que tu vois, toi, à quel moment tu seras sorti de l'agglomération. Ici. Voilà, ben tu roules, accélère. Toi, il y a le panneau à gauche, allez, mets la 4. Voilà. Bon, là, tu ne peux pas rouler en cinquième, tu roules en 4, mais il faut que tu montres que tu roules normalement. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Si vous roulez à 30 à l'heure là, ce n'est pas le truc, hein. Ah ouais, ils l'ont retiré, ils ont avancé. Le frein plus. Voilà. Ah, parce qu'avant, il était tout au fond là-bas. Voilà, tu le roules. Voilà. Là, c'est 50. C'est un truc idiot, ça, parce que tu sors d'une aglo, après, tu as un panneau 50. En fait, ils ne se concertent pas, les gens, ils mettent un panneau. Les mairies ont décidé de mettre un panneau là, ils mettent le panneau là. Tu vois, c'est le problème, c'est tout. Au moins, s'il y a un problème, tu peux intervenir. Mais on s'arrête pas. Hein. Voilà, on va tourner à droite. Ouais. Là, fais gaffe parce qu'on roule trop à gauche. Hein. Toi, là, on peut voir à gauche. Le frein léger, en douceur. En douceur, le frein. En douceur. Tourne. Voilà. Il faut quand tu roules que tu vois comme ça. Toujours. Petit coup d'œil, rétro, tac, tac. Petit coup d'œil, rétro, tac, tac. Ça devient une habitude après. Il faut que tu vois là. Il faut que tu vois partout. Là, il y a quelqu'un qui a loupé le permis ici ce matin. Parce qu'ils n'ont pas jeté de coup d'œil. Voilà. Mais le problème, c'est que, enfin, pour moi, c'est que je vois, je regarde, mais le moniteur ne voit pas que je regarde. Voilà. Et ça, c'est ça le problème. T'as tout compris. Bah, tu tournes la tête. Parce que mon moniteur, il me le reprochait tout le temps. Ouais, parce qu'il faut que tu tournes la tête. On peut pas te voir. Moi, si je suis comme ça, d'accord? Je vois pas que tu regardes. Mais avec ce rétro-là, vous ne voyez pas? Non, je te vois. Il faut que je fasse ça. C'est limité à combien, là, ici? 90, je crois. Non, c'est 45. Tu es sorti de la glume. Tu n'es pas sorti de la glume. Le frein. Enlève ton pied de l'embrayage. 45. Tu n'es pas sorti de la glo. Et ce matin, la fille, là, c'est pareil. Elle était ici, elle était à 70. Faites pas attention. Il y a des panneaux. Voilà, maintenant tu peux rouler. Appuie. Allez, vitesse. Ouais, si tu veux, on n'est pas toujours comme ça pour voir le rétro. Tu vois ce que je veux dire? Mon moniteur tout le temps me le reprochait. Parce voilà, que un jour, il m'a demandé de quelle couleur elle était la voiture et je lui ai donné la couleur. Voilà. Ce que j'ai vu. Non, c'est bien. Mais il faut que tu tournes la tête. Il faut que tu prennes cette habitude-là. Tu as une rue à voir, tu regardes directement. Tu tournes la tête. C'est comme s'il n'y a que comme ça qu'on peut voir. Là, on ne pourra rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais tu pourras toujours dire, regarde, bah oui, j'ai vu. Il va dire, moi, je suis désolé, j'ai rien vu. Nous, on suit la direction de l'autoroute. Est-ce que c'est nécessaire la quatrième là? Non. Alors, change. Lâche un embrayage. Le frein. Faut pas lâcher ton frein. Le frein, deuxième. Tu gardes le frein, tu lâches pas le frein. Lâche un embrayage. Voilà. Maintenant, tu peux lâcher le frein. Tu vois? Voilà, tu as la bonne allure. On peut voir les voitures. Regarde à gauche, allez, on roule, profil, viens vers moi. Encore, pas encore, c'est trop tôt. Ah oui. Ouais, clignotant maintenant. Ouais. Faut que tu anticipes l'observation. Mais pourquoi tu accélères, regarde, bon, là. Tu vois. Parce que mon moniteur, il disait quand on sort du rond-point, accélération. Non, c'est qu'il faut que tu aies une ligne droite en fait. Accélère. Voilà, quatrième.
Là, tu n'as pas de panneau, tu peux rouler. Tu vois. Et là-bas, au fond, on voit des panneaux. Lâche, lâche, regarde, il y a des panneaux là devant. Hein. À côté du bus, à 5, tu accélères. Tu surveilles, tu laisses rouler. Tu n'accélères pas, regarde, elle roule toute seule ta voiture. Tu mets là, toi, tranquillement, sans frein. Ouais, tu as 50. Lâche en voyage. On tourne à gauche, les rétos. À droite pendant le temps. Mets pas de clignotant, mets pas de clignotant. Voilà, viens vers moi, viens vers moi. Voilà, maintenant tu mets le clignotant à droite. Et là, tu mets la deuxième, toujours sans frein. Tu vois, ça suit derrière. Voilà, on avance. Le frein, le frein, le frein, le frein. Tu sens derrière. Hein. Voilà. Tu vois le clignotant, si tu le mets trop tôt, le chauffeur du bus va penser que tu vas le suivre. Ouais, voilà. Donc faut pas que tu le mettes tout de suite. Toi, tu restes là, tu lâches le frein. Non, faut garder ton frein. Ta voiture, elle ralentit. Mais si tu lâches le frein, elle prend de la vitesse. Ouais, elle va plus vite, j'ai l'impression. Ben, voilà. Oui, c'est normal. C'est logique. Hein. Et nous, on restera sur la voie droite. Ce matin, il y a une fille qui n'a pas vu la flèche. Ah ouais? Bon, ça, c'est pas trop grave. S'il va lui dire une fois, c'est bon, quoi, toi. S'il n'y avait que ça, ce serait pas gênant. Et vitesse, on roule. Voilà. Voilà. Le pied devant le frein, devant. Au cas où. Voilà, maintenant, on peut repartir. Ouais, parce que quand il y a une voiture qui attend au feu là-bas, ton feu peut passer rouge. Mais comme tu n'as pas de système qui te prévient avant. Nous, on va tourner à droite, on se manie en ville, monte à ville. Qu'est-ce qu'il y a à droite? Deuxième, deuxième, le feu. Voilà. Lâche en voyage d'abord. Viens vers moi. Viens vers moi. Voilà, il y a à droite. Voilà, comme ça, en face, il voit où tu vas. C'est parti. Est-ce qu'on a fait un trajet compliqué, le pied devant le frein au cas où. Simplement devant le frein, simplement au cas où. Au cas où. Voilà, enfin, t'as pas vu, je t'en fous. Hein. Ah, c'est souvent ça. Hein. Est-ce qu'on a fait un trajet compliqué? Non, ça va. Petit coup d'œil à gauche. Voilà, tu vois, ben là, tu t'es fait à journée. Tu vois, tu t'es fait à journée parce que quand tu rétrogrades, tu lâches le frein. L'allure en agglomération, où c'était 45, toi, tu étais déjà 60. Des trucs comme toi, c'est des. Faut que tu perfectionnes un peu plus ton truc. Regarde à gauche, il peut te couper la route. Hein. Voilà. C'est pas. Voilà. Et nous tournerons au feu à gauche, les rétros. Les rétros. Deuxième, deuxième. Nous on va à gauche, tu restes comme ça. Voilà, colle pas, colle pas, colle. Top, 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 top. Ici, voilà, de toute façon à côté de moi à droite. Hein. On roule. Voilà, allez, vas-y, on roule. C'est rare qu'on vienne comme ça, mais ça peut se faire. On roule, on roule, on roule. Voilà. Petit coup d'œil derrière moi à droite. Ici, le frein, tu regardes, là, une voiture. Ça va aller à droite là. Voilà. Et là, tu es bien placé. Voilà, parce que souvent, les gens derrière te coupent la route. J'accélère le feu rouge, ça sert à accélérer. C'est bien, ne touche pas l'embrayage, viens vers moi. Voilà. Le feu embrayage maintenant. Ah oui.
vois, là, on peut voir la couleur du feu là-bas. Donc, tu peux mettre ta troisième. Maintenant, si tu as un doute, tu as le pied devant le frein et tu fais attention derrière le frein. Que le frein. Que le frein en voyage. Le frein, le frein. Voilà. Pas grave, on s'en fout que tu es en troisième. Mais je peux freiner en troisième sans passer, sans rétrograder. Tu peux même, tu freines en quatrième. Hein. Sans rétrograder. Ouais, bien sûr. Mais c'est que sur cette voiture-là. Non, sur toutes les voitures. La 208, c'est pas possible sur la 208. Hein. Mon moniteur, toujours, il fallait que je freine et pas je ça. Passe jusqu'en deuxième. Tu as des moniteurs qui sont un peu bébêtes, enfin, c'est mon point de vue. Hein. C'est qu'il faut absolument que tu rétrogrades. Non, on roule. Moi, j'ai vu faire des examens où le gars était en quatrième sur la route de Dreux et il s'est arrêté en quatrième, on s'en fout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. C'est pas... Quand tu rétrogrades, c'est que tu as le temps. T'as pas le temps. C'est de la connerie. C'est comme... ça que ça me paraît bizarre, voilà, en fait, ouais. de freiner d'un coup sans rétrograder. Ouais, t'es pas obligé. Tu rétrogrades que si t'as le temps. T'as pas le temps, t'arrêtes en quatrième, on s'en fout. Mais la voiture, elle cale pas. Elle calera pas. Ouais. C'est bizarre. Après, au bout de 20 heures, quand on te répète ça tout le temps, 20 heures, ah ouais, non, mais je comprends ça rentre bien. Dans la tête. Ouais, je sais bien, mais c'est une connerie, ça. C'est comme tu veux dire. Là, ce matin, j'ai une dame qui a passé son permis au Maroc. D'accord. Il n'est pas valable ici. Je l'ai en conduite il y a longtemps. Je l'ai en conduite au mois de mai-juin, je ne m'en rappelle plus. Après, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Mais quand elle démarre, elle a le frein et elle lève l'embrayage. J'ai dit, mais putain, mais tu fais quoi là? Elle me dit, ben, je démarre. Je dis, mais qui t'a appris comme ça à démarrer comme ça? Elle m'a dit, mais moi j'ai appris comme ça. Je dis, mais ça n'a pas de sens. J'ai dit, c'est comme si tu fais du vélo. Elle me dit, j'en fais pas. Non, je dis, bon, je dis une image. Tu fais du vélo, tu es assis sur ton vélo, tu as les pieds par terre. Tu lèves les pieds, mais tu pédales pas. Il va se passer quoi? Elle me dit, ben, je vais tomber. Je dis, ben, là, tu as calé. C'est pareil. Je dis, parce que tu n'accélères pas. Tu fais ton démarrage, tu freines et tu veux que ta voiture elle bouge. Et où tu freines, où tu bouges. Oui, c'est sûr. Voilà, et bien l'examen, elle a fait que ça, elle est calée, c'est fait la journée. J'ai dit, toi, tu as fait comme ton leçon, pareil. J'ai dit, tu comprends pas, t'es bête, tu restes dans ton truc à la con là. Oui, moi ça m'énerve. Non, mais ça m'énerve des trucs comme ça. Oui, c'est compréhensible. C'est louper des permis pour des conneries. Mais on se fait la journée si on a calé. Ben non, si tu cales de trop, ouais, c'est qu'il y a une mauvaise maîtrise de la voiture. Donc c'est normal. Ouais. Tu cales une fois, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive aussi. Hein. Mais là, attends, tu vois la côte qu'on a pris qu'à 70 là. Oui. Bon, malheureusement, elle a eu tous les feux rouges à la pauvre. Ben, à chaque fois, elle calait 2-3 fois à chaque démarrage. Bon, ben, c'est pas bon, tu vois. Oui, et chaque fois qu'elle démarre, elle a le frein et puis elle lève l'embrayage. Ça n'a pas de sens. J'en ai qui me disent, oui, mais mon mari ou mon père m'apprend comme ça. Je dis, ben dans ce cas-là, tu vas conduire ton mari avec ton père. Je dis, pourquoi tu viens t'emmerder dans une école? Je dis, ben... Et nous, c'est vrai qu'on a une manière d'apprendre. Et comment je... Parce que je... Il faut... En fait, si nous, on vous apprend... Enfin, voilà, le problème, c'est que vous, ce qu'on vous dit, première, c'est mieux en première. Pour vous, c'est bon, parce qu'on est enseignant. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est ça le point. Et mais le problème, c'est que les enseignants ne disent pas tous la même chose. Voilà, je suis d'accord avec toi aussi. Et ça, c'est un problème, parce qu'au final, on ne sait même pas ce qu'il... Ouais, je suis d'accord avec toi. Nous, on va à gauche. Hein. Je dis, mais pourquoi tu as freiné? Elle me dit, parce qu'on m'a appris à freiner chaque fois que je rétrograde. Ça n'a pas de sens. Après, moi, mon moniteur m'a appris la même chose. Et à chaque fois qu'il faut que je rétrograde, il faut que je freine. Regarde, lâche avec ça. Attends, lâche complètement. Lâche. J'ai une voiture, elle a 62 000 km, 33 000. On n'a pas changé de plaquette encore. Mets la 2. T'as la bonne allure. Mets la 2. T'as la bonne allure. T'as pas besoin du frein. Et le feu passe vers, on repart. Accélère. Voilà. Tu freines. On roule. Accélère. Ouais, on roule. Voilà. Mets la 3. Ça sert à rien de freiner toujours. Parce qu'en fait, ça sert à quoi? Regarde. Là, on roule. Bon. Vas-y, roule. 50. Voilà. Lâche l'accélérateur. Lâche. Voilà. Tu laisses ralentir. Elle ralentit toute seule ta bagnole. Regarde, là, tu arrives à 45, 40, tu mets la deuxième. Lève l'embrayage doucement. Voilà, tu as la bonne allure, tu n'as pas besoin du frein. Ouais. Ça sert à rien de toujours freiner. Ça, c'est le truc de la connerie de certains moniteurs. Toujours le frein. Ouais. Ah, il faut que tu freines, il faut que tu... Ou alors, ah, il faut que tu mettes la première tout de suite parce qu'il faut que tu arrêtes. Il ne faut pas que tu sois pas mort. C'est la connerie. Tu
peux t'arrêter, tu mets le point mort, le feu passe vert, tu mets la première, tu repars. Comme là. Ouais. Voilà, tu lâches ton voyage. Et là, tu vas freiner un peu parce qu'on ne peut pas. Tu vois. Mais je vais te dire, au départ, tu as la bonne allure, ça sent de freiner. Ah bah oui, au final. Voilà. Quand on réfléchit bien, c'est vrai. C'est logique ça, ce que ouais. vous dites. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de moteurs qui apprennent des conneries. Donc après, moi, des fois, je me prends le chou avec des gens, ils me disent, ouais, mais toi, t'es con, t'apprends mal, t'es un vieux, t'apprends mal. Je dis, mais non, si. Non, mais non, parce qu'au final, c'est vrai que c'est logique ce que vous dites. Hein. Ouais. Comme là, c'est vrai, pour de vrai, j'ai bien vu de mes propres yeux que j'ai pas ouais. besoin du frein. Voilà, ça dépend de l'allure que tu as. Maintenant, tu peux t'arrêter, tu roules vite, par exemple, comme la route de Dreux, d'accord. Le gars, il est en examen, il a repéré les piétons, il a vu que les piétons passaient rouges, on veut passer rouge, il a vu derrière, il n'y avait personne, il s'arrête en quatrième à 70, on s'en fout. Parce qu'il y a des moments où tu n'auras pas le temps de rétrograder ta voiture. Mets-la 3, mets-la 3. Tu n'auras pas le temps de rétrograder. C'est que tu vas t'embrouiller dans les pédales, la boîte de vitesse. Mais pour rien du tout, ça sert à rien. Regarde, accélère, accélère, je vais te montrer. Accélère, accélère, accélère. Le frein, que le frein, que le frein, encore, encore. Que le frein, que le frein, que le frein, que le frein. Embrayage. Voilà, tu arrêtes comme ça. Tu n'as pas le temps de rétrograder, on s'en fout. Mais c'est bizarre qu'elle cale pas. Mais elle peut pas caler parce que tu as pris l'embrayage avant que la voiture s'arrête complètement. Comme en quatrième. Quand j'ai quelqu'un de A à Z, je lui montre tout ça. Tu vois? Et toi, ça fait la deuxième fois que je t'ai en conduite. Mmh. Donc je peux pas, je n'ai pas le temps de. Ouais, bah oui. Mais franchement, si j'aurais su. Mais c'est pour ça que le problème, c'est que tu retrouves pas sur internet tout ça. Parce que. Quelqu'un qui, c'est comme quelqu'un qui apprend un pilotage ou autre chose. Mmh. Tu es resté, tu dis, bon, lui, il est moins con que moi parce que moi, j'apprends, lui, c'est une tête. Donc, il doit faire, c'est vrai, logiquement, moi, quand j'apprends quelque chose, c'est pareil, on va à droite. Mais des fois, on apprend des conneries. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les corriger parce qu'on ne les voit pas. Là, tu es obligé de freiner parce qu'on roule trop vite. Voilà. Garde le frein, lâche l'embrayage. Enlève ton pied de l'embrayage, enlève ton pied, enlève. Arrête de me mettre l'embrayage. Excusez-moi, mais c'est après, c'est. C'est ce qu'on m'a appris, c'est pour ouais, ça. Ouais, mais c'est pas bon parce que là, chaque satan, on va voir s'il y a une place. Non, il n'y en a pas. Parce qu'après, tu vas te faire ajourner l'examen. Là, ouais, chaque satan. Voilà. Là, bon, là, on ne voit pas, on va en face. Première, première. Voilà. En face, côté du camion. Viens vers moi. Appuie sur l'embrayage, appuie. Lâche pas l'embrayage cette fois-ci. Petit coup d'œil à gauche. Regarde à gauche, regarde à droite. Côté du camion. Là, là. Ah, direct. Ouais, ouais, direct. C'est pour ça qu'il fallait faire le tour pour rentrer dans le parking. Avance un peu. Encore un peu. Lâche le frein. Lâche le frein, le frein. Le frein maintenant, stop le frein. Voilà, frein moi. Frein à main. Lâchez pas la D2. Voilà. Donc, là, quand on est parti du centre d'examen, toi, tu regardes que à droite. C'est une erreur. S'il y a un abruti qui arrive à fond à gauche, il tombe dedans, toi, t'es morte. Si ça va bien, t'es dans le fauteuil roulant. Voilà. Donc, c'est pas logique. Ça, c'est des erreurs qu'on vous apprend en formation. C'est gauche, droite, l'observation. Gauche, droite, gauche, droite. Après, tu sors, hein, c'est dès le passage, pareil, hop, tu regardes que à droite. Maintenant, il faut que tu vois à gauche, à droite. C'est logique. Donc, on a tourné à gauche, toi, tourné à gauche, et t'es un peu coupé, c'est pour ça que j'ai pris le volant. Après, c'est 70, donc tu as le feu. Après, il faut que tu carbures, c'est 70. Mais après, t'as pas fait attention au dernier feu, avant qu'on arrive à la mairie de Magnanville, t'avais une fin de limitation à 70, donc tu repars à 50. Et toi, tu as 53, 54, c'est pas bon, c'est éliminatoire. C'est au-dessus de la vitesse. On tolère 1, 2 km de plus. Mais ça veut dire qu'il faut anticiper à freiner avant. Bah oui. Parce que si on freine pas avant, logiquement. Parce que si tu as le panneau 50 là, que tu freines à 50 après, ça sert à rien. Ouais, faut que tu arrives. Voilà. Donc c'est pour ça que tu peux lâcher l'accélérateur, tes voitures la rentrent tranquillement, tu arrives à la bonne allure, même si c'est 30, hop, tu arrives à la bonne allure, tu es à 30 au panneau. Après, tu repars. Et si j'aurais freiné avant et le moniteur me dit pourquoi tu freines pas encore non, rentré non. dans l'agglomération ah, non, c'est pas ça. Il faut freiner tranquillement de manière à arriver à la bonne allure au panneau. C'est ça, tu vois, c'est ça que je veux dire. Mm-hmm. Tu vois, des fois, tu peux que lâcher l'accélérateur. Okay. Aussi. D'accord. C'est ça, c'est des trucs comme ça. Donc, le ralenti 30, c'est le ralentisseur, c'est pas après. Il faut que tu sortes tout le ralentisseur. Après, tu peux rouler au-dessus. Mais après, au-dessus, tu es toujours en aglo. Donc, tu peux pas rouler. Eh oui. Donc, après, on t'indique, on te dit, on va suivre Dreux. Bon, tu suis Dreux, mais tu es toujours en aglo. Et dans le rond-point de Dreux, le rond-point pour aller à droite, toi, tu étais à gauche. C'est pas bon, parce que tu dois rester à droite, on va tout droit. Tu n'as rien à faire à gauche. En fait, je reste à gauche que quand j'ai envie de tourner à gauche. Voilà, sinon, mais. Je dois rester mais, à
Ah merde, j'ai rentré la fiche. Bon. Ouais, tu restes à gauche quand tu vas à gauche, mais en fait, quand tu tournes, tu vas à gauche, il faut que tu bloques la voiture qui était en face de toi, l'entrée en face, pour te retrouver sur la droite. Parce que si tu es à gauche, tu refais demi-tour. Voilà. Donc ça, c'est éliminatoire, parce que tu étais à gauche pour aller tout droit. Okay. D'accord. Après, c'est 80. 81, tu peux rouler. Maintenant, tu tournes à droite ou à gauche, c'est pas tout de suite la vitesse. C'est d'abord voir. T'adaptes, toi, le rétro, il est trop bas, là. T'adaptes ton allure, il est en bas, il indique en bas au lieu d'être droit. Tu mets ton clignotant et après tu réglas ta vitesse tranquillement. Excusez-moi, celui-là il doit être plus devant. Ben, il est penché. Ben, c'est ce que mon moniteur m'a dit que celui-là, on doit voir le haut. Ouais, c'est un compte au moniteur. Et ça? Tourne-le, voilà. Monte-le maintenant. Monte-le. Encore. Voilà. Maintenant? Si. Je te jure. T'apprends des conneries ton moniteur. Non mais vraiment, là par contre, il m'a vraiment dit qu'il fallait que ce soit bas pour que je puisse voir la distance que j'ai avec mon trottoir. Bon, on s'en fout du trottoir, c'est la connerie ça. Et ton rétro droit, c'est un 50 en moniteur. Moi j'ai des conneries aussi, hein, je suis con aussi. Hein. Et en fait, non, je dis toujours ce que je pense, ça me fait très peu d'amis pour ça. Il faut que tu vois ici, je veux dire, enfin à peu près ici, la bosse de la voiture. Donc faut que tu vois, en fait, en règle générale, il ne faut pas que tu vois la porte avant. Ok, donc ça veut dire que c'est ça. Voilà, il faut que tu vois que le fond de la voiture. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Comme ça, si quelqu'un passe à côté de toi, tu le vois. Mais on s'en fout du trottoir. Ouais, il m'avait dit que c'était celui-là qui voulait. C'est un con, cette connerie. Comme là, il faut que tu vois bien derrière toi, mais il ne faut pas que tu vois la porte de ta voiture avant. Il faut que tu vois le fond. Voilà, il faut que tu vois le fond de la voiture. Tu vois, c'est des conneries. Les gens, ils apprennent des conneries. Mais ça, comment tu veux, toi? Contredire ça si. C'est un moniteur qui me le dit. Voilà, mais non, je suis d'accord avec toi, mais c'est des conneries. C'est comme au début, j'ai eu une fille, elle me dit, mais j'ai dit, mais tu vas où là? Elle me dit, bah tu m'as dit tourner à gauche. Je dis, ouais, d'accord, je dis, mais t'as sens unique quand même. Elle me dit, ben ouais, je peux rester à droite. Je dis, mais toi, t'as vu jouer ça où t'as dit? Elle me dit, mais Mohamed m'a dit que c'est comme ça. Je dis, de quoi? Je dis, pas possible, mais si. M'a dit, mon ancien moniteur m'a dit que je pouvais, comme ça sans lui, je peux rester à droite comme à gauche, pourtant à gauche. Je dis, mais tu fais ça les gamins, tu te fais la journée. Ben, elle s'est fâchée, on sait plus le chou, elle s'est fâchée avec moi, ils vont dire que la monétisme, on dit plus avec moi. Oui, mais je m'en fous, mais je te dis, c'est ça, en fait, je peux pas vous apprendre de la merde, tu peux payer pour ça. Ouais, ben, et puis, ça me ferait chier de vous apprendre de la merde, c'est pas le but en fait. Ben, oui. Nous, on est là pour vous ayez votre permis dans la meilleure condition. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu regardes le site que je t'ai donné. C'est marqué dessus. Parce que je mets pas de conneries dessus, c'est des trucs que vous faites au code. Il faut vous...